Donc salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre comment mettre un fond d'écran sur Android. Le fond d'écran que vous choisissez, parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas, je pense. Donc voilà. Donc là, on se retrouve sur ma page d'accueil. Ah, Fortnite, voilà, tout ça. Donc, mon fond d'écran, pour l'instant, c'est un œil, toutes mes applications, voilà. Voilà. Donc là, on va aller sur Google. Vous allez taper ce que vous voulez, moi je vais vous remettre. Moi je veux une miniature Fortnite footballeuse. Je fais comme ça, je fais rechercher. Et je descends, moi j'aime bien elle. Voilà. Donc là il vous suffit de faire éteindre et le. Ça dépend sur le téléphone. Soit c'est éteindre et son en même temps. En même temps, les deux, vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Soit c'est. Comment ça veut dire? Là, le bouton pour. Ça, là, vous voyez? Là, le bouton tout en bas pour revenir à l'accueil. Donc, moi, c'est éteindre le son. Non, je fais éteindre le son. Plusieurs fois. Regardez, là, ça fait la capture d'écran. Bon, une fois qu'on a fait la capture d'écran, c'est bon, on peut retourner à l'accueil de notre téléphone et supprimer ça. D'accord? Ensuite. On va aller dans galerie. On attend que ça charge. Tranquillement. Et voilà. Donc là, on a la capture d'écran. Donc, dans cette capture d'écran, vous allez voir, c'est pas beau. On peut pas mettre ça en fond d'écran. On va faire retoucher, rogner. Et on va la rogner sous la forme de l'image. Comme ceci, je pense que ça peut vous aider. Voilà, maintenant, l'image, s'il vous plaît. Toujours pas, il y a un peu de blanc en dessous, moi j'aime pas trop. Voilà, on peut agrandir là, c'est vrai, merde, comment on fait ça. Voilà, hop. Je pense que je vais aussi supprimer le truc. Voilà. Par contre, faut bien réfléchir quand on fait ça, parce que... Pas vous rater, quoi. Voilà, là, elle est nickel. Donc maintenant, on va à droite, enregistrer. Voilà, et maintenant, on avait lancé une photo et la nouvelle, d'accord. Avec la même photo, on fait plus. On fait définir en tant que fond d'écran n'importe lequel. Hein. Moi, je mets galerie. Donc là, on choisit comment on veut le mettre. Donc c'est pour ça, faut garder un peu de trucs. Donc je vais vous montrer encore comment on fait parce que sinon, ça va être chiant. Donc, on va retourner sur l'ancienne. Hein, parce que voilà, mais après, faut faire sur mesure, les amis, parce que comme ça, on peut bien choisir la taille de l'image. Et tout. Donc moi, je vais laisser tout comme ça. Ça va être sûr que ça va passer. Voilà, on laisse tout. On fait enregistrer comme ça. Hein. On fait plus définir en tant que fond d'écran galerie. Et là, normalement, elle n'est pas un peu plus petite. Non, non même pas. D'accord. Bon, on peut la laisser comme ça. Hein. Voilà, ça va très bien. On fait soit recadrer. Donc voilà, moi, je peux la prendre. Comme ça elle est jolie. Donc maintenant je fais définir par exemple un écran de déverrouillage. Donc là on n'a pas sur cet écran. Voilà. Et je sais pas si je peux éteindre avec Mobizen.